Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire des petits cadeaux pour les maîtresses. C'est bientôt la fin de l'année scolaire, donc certains d'entre vous aiment bien offrir à leur maître, à leur maîtresse des petits cadeaux. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit cadeau tout simple qui reflète bien le métier d'enseignant. C'est un petit bureau avec des petits tiroirs. Dans chaque petit tiroir vous pouvez y mettre des bonbons, des chocolats, ce que vous avez envie. Donc il y a 6 petits tiroirs. Sur le bureau lui-même, il y a un sous-main dans lequel vous pouvez mettre un petit mot, la photo de votre enfant et le petit mot. Ça peut être aussi fait par des enfants, c'est assez simple. Donc là, la carte, elle est aimantée pour que ça tienne bien. Je l'ai aimantée avec du scotch aimant. Voilà, en fait, c'est plus fin. Le petit pot à crayon, donc là il me reste plus qu'à y mettre les petits crayons. Je vais y mettre des petites mines, vous savez, de porte-mine. Je vais directement coller dans le fond les mines. Là il y a un petit bloc-notes fait maison, voilà, et une petite règle. Après vous pouvez y rajouter un tas de choses sur ce bureau, hein. C'est à vous de voir. Je vous montre comment on le fait. Alors, pour faire ce bureau, il va vous falloir deux morceaux. Alors là c'est le carton uni, hein. Moi j'ai pris du papier en 300 grammes parce qu'il fallait quand même que ce soit assez épais. Donc pour la structure c'est du 300 grammes papier Lidl, papier Action assez épais cardstock, mais il ne faut pas que ça se déchire non plus, hein. Donc il vous faudra deux fois 10,6 par 9. Il vous faudra 6 fois 9 par 10,5. C'est mes petits papiers déco. Il vous faudra aussi 6 fois 6,70 par 16,30. Alors moi, je n'ai pas 16 fois parce que je me suis déjà avancée parce que c'est assez long à faire. Donc, je vous montre comment on fait un et après, on en fera plusieurs. Pour le sous-main, 10 par 14 avec des morceaux de papier de 6,5 par 9,5 à l'intérieur. Et pour faire le dessus du bureau, il nous faudra un morceau de 17 par 20 avec deux morceaux de 9,5 par 19,5 par 16,5, pardon. Voilà. De la colle, du double face. Pour le petit centimètre, alors ça, je l'ai trouvé dans un ancien album d'Ice Cut de chez Action. J'avais trouvé ça sympa. Donc, je l'ai pris dedans, je trouvais la règle dedans. Si vous n'en avez pas, vous prenez une règle que vous imprimez sur votre ordinateur, vous l'imprimez sur papier, vous la découpez proprement. Et puis voilà, soit vous la faites à la main, papier blanc avec les rainures, tout. Vous pouvez la faire de comme vous voulez, hein, sur du papier imprimé, papier déco, pas papier déco, c'est vous qui voyez. Voilà. Pour faire le petit livret, j'ai pris du papier tout bête. J'ai pris un bloc de post-it. Et puis, j'ai pris le reste de mes chutes pour faire le fond. Voilà. Donc, on est parti. On va faire les petites boîtes. Alors, pour faire les petites boîtes, il nous faut... On va prendre nos 6 morceaux de 6,70 par 16,30. Ça, c'est les morceaux A. 6,70 par 7,30. Je vais faire des plis sur les 16,30. 1 à 2 cm. Plus dans le bon sens. 1 à 2 cm. 1 à 7. 7,10. Je me suis trompée. Très important, 7,10, heureusement que je n'avais pas appuyé fort, de 7,10, 9,20 et 14,30. Je vais répéter. Vous faites un pli à 2, à 7,10, à 9,20 et à 14,30. Et on plie. On fait ça sur les 6 morceaux. Ensuite, je colle. Je marque bien mes plis. Je colle la languette du bout. Voilà. Je ne sais plus donc, c'est terrible.
Alors je mets double face puis colle taquiglu. Hop. Comme ceci. Et je fais ça sur les 6 morceaux. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. On va faire des boîtes d'allumettes en fait. Après, on va prendre les morceaux 9 par 10,5. D'accord. Il nous en faut 6. Et on va faire des trous de chaque côté à 2 cm. Je prends mon appareil en coche. Alors là, moi, je prends mon instant enveloppe, mais j'ai aussi une petite perfo toute simple pour faire. Vous pouvez prendre la petite perfo ronde pour faire l'encoche au bout. Voilà. Je centre, c'est simple, hein, mes deux traits de pli, je les centre de chaque côté là. C'est impeccable. Et je fais une encoche. Et je fais ça sur les 6. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ensuite, prenez mon petit ciseau. Je vais venir couper les 4 languettes. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Hop et hop. Retrouve avec ça comme ça, avec les bouts de languette. Les bouts de languette, je les coupe en biseau parce que vous allez voir que pour coller, ça dépasse pas, ça fait plus propre. C'est mieux. Hop. Alors vous allez voir, hein, faire 6, ça prend du temps. D'où le fait que je vous montre comment on en fait un. Et vous avez à répéter la solution 6 fois. Hein. Je ne vais pas vous faire les 6 en vidéo, parce que sinon on va avoir une vidéo de 6 heures pour faire un mini bureau. Ce serait dommage. Donc voilà. Je vais venir coller. Alors à l'intérieur, moi je les colle. Alors vous pouvez les coller à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est à vous de voir. On va les coller sur l'extérieur. Ça tiendra mieux et de toute façon, ça va être caché. Donc, comme ceci. On fait bien adhérer dans l'angle. Au pire, si ça n'adhère pas tout de suite, on met des petites trombones. Alors après, là, vous pouvez venir mettre une petite, un petit papier déco. C'est comme vous voulez. Alors, si vous le faites à l'intérieur, alors moi, j'ai fait les deux. Hein. Je ne le cache pas. J'en ai fait et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, à vous de voir comment vous voulez les coller. Si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Peu importe. Après, c'est vrai que... voilà. Donc, ça va... comme ceci. À l'intérieur de notre tiroir. Voyez ? Voilà. Donc on monte les 6. Un coup qu'on a monté les 6, on va les assembler comme ceci pour faire les pieds de notre bureau. Elle est magique, hein, moi j'en ai fait, j'ai fait mes 6. Donc j'en ai déjà monté 2. Sous chaque, je mets un double face. Je mets un peu de taquiglu. J'ai retiré mon tiroir et je viens comme ceci dessus. Et je viens faire adhérer l'un sur l'autre. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. C'est comme quand on a fait nos calendriers de l'avant. Vous vous rappelez? Exactement la même chose. Voilà.
Là, on ne voit pas, hein. J'ai caché le fond parce que je trouvais que ça faisait pas beau. Même si on met un papier directement dessus, ça fait pas joli. Donc, j'ai fait des fonds. Pour faire les fonds, il me faut des morceaux de 10,6 par 9. Il en faut deux. 10,6 par 9. De chaque côté, vous allez faire un pli à 2 cm. Ça, vous voyez, ça va venir juste là. J'ai dû me planter. Alors, je vérifie toujours. Je pense qu'on va y aller à 1,8 pour celui-là. C'est vraiment pour que ce soit propre, que ça plie et que ça ne coince pas. C'est bon. Alors 2 cm en haut et en bas et 1,8 de chaque côté. Or, même principe que tout à l'heure, hein, on coupe les languettes, on coupe aussi légèrement en biseau. Donc 2 en haut, 2 en bas et 1,8 de chaque côté. Et là, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est j'ai mis du double face sur tout le bord à l'arrière, parce qu'à l'avant, nous avons mis les encoches. Voilà. J'ai coupé mon double face. Là, je viens coller mes languettes à l'intérieur. Je fais comme un fond de boîte, hein. Très compliqué. Bien les angles dans les angles. Je vais vérifier à l'avant avant d'aller le coller à l'arrière. Ça c'est bon, ça s'enfile. Donc maintenant que je l'ai mis, je mets de la tachyglue sur les bords internes de ma boîte et je vais le mettre l'enfiler là du côté où j'ai mis le double face. Voilà, et on a un joli fond, voyez. Voilà. Alors, je vous ai pas donné les mesures effectivement de votre papier déco. Pourquoi? Parce que selon comment vous allez jouer avec les 2 cm, hein, parce que parfois ça joue à 1 mm, 2 mm, un coup vous allez en arriver à cette étape-là, vous avez juste à couper et à coller votre papier déco. Donc votre papier déco, vous prenez, hein, vous additionnez, enfin vous mesurez en haut en bas, et vous enlevez 0,5, tout simplement. Vous voyez, là j'ai fait par rapport à l'autre, et ceux-là ils sont un peu trop grands. Donc là, je vais les recouper d'un millimètre, 2 mm. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné les mesures du papier déco. Parce que selon quel papier on travaille, moi, je vous dis, j'ai utilisé un 300 grammes. Les feuilles de chez Lidl, je ne sais pas combien elles font. Je crois qu'elles font 320 même.
Ça, c'est le bloc de chez Action. Pris un papier assez épais en déco pour faire le bureau, pour que ça rigidifie, pardon. Voilà, vous voyez, ça cache. Et j'en mets un en dessous, du coup, pour cacher aussi. Je vérifie. Donc ça, après, c'est à vous de recouper vos papiers déco selon au millimètre près de par rapport à votre boîte. Parce qu'il suffit que vous ayez coupé votre papier déco puis qu'il soit un millimètre ou deux, trois trop petit ou trop grand. Bon, trop grand, c'est pas gênant, on peut recouper, mais trop petit, c'est toujours un peu embêtant. Donc, du coup, au lieu de vous faire faire des bêtises, enfin, au lieu que ce soit différent par rapport à vous, je préfère que vous coupiez par rapport à ce que vous avez fait. Il aurait mérité que je le coupe un peu, celui-là. Voilà, et du coup, on se retrouve avec les deux pieds de notre... Pardon, je suis un peu hors caméra par moment. Nos deux pieds de bureau. On va faire le dessus. Alors, pour faire le dessus, pour que ce soit assez rigide, j'ai pris ma feuille. Je l'ai faite en 17 par 20 et à 20 j'ai marqué le pli à 10 là. J'ai marqué le pli à la moitié. Et du coup, vous allez venir coller l'intérieur. Ces deux morceaux-là, vous allez les coller ensemble afin de rigidifier encore un peu plus le dessus du bureau. Tout simplement. Voilà. Et dessus, je colle dessus-dessous un morceau de papier déco. Vous voyez, dessus-dessous. Comme ça, ça s'est harmonisé avec mon bureau. Donc ça, je vous avais donné les dimensions parce que il n'y a pas de surprise. Je vais donner les tailles. Mais pour les contours de vos pieds, je préfère que vous fassiez par rapport à vos mesures à vous. Pour éviter les surprises. Voilà. Notre dessus de bureau est fait. On va venir le coller. Alors, pour le coller, moi j'enlève les deux boîtes du dessus. Les deux tiroirs. Je viens y coller. Double fosse et colle liquide. Pour que ça tienne. Alors dans vos petits tiroirs, vous pouvez y mettre une boîte de punaises, une boîte d'images, une boîte de bonbons. Vous pouvez y mettre des petits chocolats, des petits élastiques. Voilà, enfin après vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut aller sur le bureau pour ranger les trombones, les craies, tout. Alors, comme je sais que mon papier fait 17, mon petit bureau, c'est les voir. Que je fais, c'est que je vais me mettre donc on sait que cela, un gros carré, ça fait 5, donc 5 et 5, 10, 15, 17. Donc je vais me mettre sur 5 cm là, vous voyez, 1 cm pardon, de 17. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, je viens me mettre aussi à 1 cm. Donc, 1 cm est là à 16 cm. Je me mets sur les mêmes lignes. Comme ça, je suis sûre que mes pieds... Je me sers de mon tapis de déco, que mes pieds sont bien droits. Et je viens mettre... Je viens positionner dessus
Non, mes pieds. Je vais vérifier en dessous. Là, c'est bon. Là, c'était pas tout à fait bon. Voilà. Un coup qu'on est bon. Alors, après, moi, je vais vérifier avec l'arrêt. Regardez. Là, on peut faire. Hop, on se met bien droit par rapport au truc. Clac. Clac. J'ai pas collé exprès. Hein. Enfin, je ne sais pas appuyer. Et là, un coup que je suis bien en place. Hop, je passe mon plioir à l'intérieur. Et je vais appuyer ma colle. Voilà. Et mon dessus du bureau est fait. Je remets mes tiroirs. Et voilà. Vous pouvez faire ça à vos enfants. Hein. C'est super simple. Ensuite, on va passer au sous-main. Sous-main, c'est fait pour écrire un tas de choses. Donc, je trouvais ça sympa de mettre un petit sous-main avec un petit papier à l'intérieur où vous pouvez mettre votre nom. Et puis, y mettre les décos que vous avez envie. Photos ou autre. Ça peut être très, très sympa. Attendez, chercher si j'ai un petit tag. Petite étiquette là qui va. Alors, j'ai une étiquette comme ça, mais j'ai pas l'autre. Donc je suis un petit peu embêtée. Donc si je mets ça, hop, je vais aller voir si j'en ai un de l'autre côté. Cool. Non, je n'ai plus. Je suis très embêtée. Ce n'est pas grave. C'est pas un problème en soi. Ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir deux fois la même chose. Donc, au pire, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser ça. Parce que ça sert de papier. Vous voyez, c'est un papier qui traîne en dessous le sous-main et ça nous permet d'ouvrir la carte. Vous voyez? Voilà. Donc, à la limite, je peux l'utiliser quand même. Il faut juste que je me retrouve une autre étiquette. Sympa d'avoir les deux étiquettes l'une sur l'autre. Hop. Je regarde ce que j'ai comme double étiquette. Après, vous pouvez vous faire vos dies vous-même. Hein. Je vous conseille d'ailleurs, enfin, vos tags. Celui-là, je l'ai deux fois. Nickel. Hop. Voilà. Du coup, avant de coller mon papier. Avant de coller mon papier étiquette, vous voyez. Hop. Je colle ces deux morceaux ensemble. Voilà. Et avant de venir coller mon papier là, ou on peut le coller par-dessus. Ou on peut le coller par-dessus. Donc, à l'intérieur, on va le coller par-dessus, peut-être par-dessous. Là, je l'ai collé dessus aussi. Ça faisait une étiquette, c'était joli. On va le coller dessus. Moi, j'encre mes bords de papier pour que ça fasse joli et propre. Alors, j'ai pris les tampons Action. Hein. Vous ne faites pas ça avec vos distraits et autres. Si vous utilisez les encres de chez Stamp, District, les belles encres que vous achetez en magasin de loisirs créatifs, vous utilisez un tampon, un doigt ou une mousse. Hein. Ça, c'est le tampon Action, donc c'est pas grave. Je le fais direct. Moi, j'utilise beaucoup, mais pour ancrer, surtout le noir. Alors, avant de coller notre papier, je prends mon papier. Pardon, j'allais oublier. Ça. Donc là, mon pupitre, il fait 10 cm par 14 et j'ai fait un pli à 7. Pour être sûr que mon pupitre
ne s'ouvre pas, je mets du scotch aimanté. Vous voyez? Hop, quand je fais ça, ça aimante. Vous voyez? Hop. Et du coup, comme ça se colle, c'est nickel. Et par-dessus, je viens coller mon papier déco. Et du coup, aucun... on ne le sent pas. Donc, j'en colle mes deux papiers intérieurs. Ou là où vous pouvez mettre une photo, le petit mot de remerciement à l'instit pour qui c'est destiné. Voilà. Et afin qu'on puisse l'ouvrir sans problème, parce que là, on est d'accord que ça va être compliqué, je fais dépasser un petit papier que je vais venir coller à l'intérieur, là. Alors, soit vers le haut, vers le bas. Donc, moi, je vais le coller vers le haut parce que c'est pour pouvoir soulever la carte. Donc, je vais mettre de la colle sur une partie. Voilà. Je le colle volontairement pas droit, de façon qu'on croit que ça sorte du sous-main. C'est un papier qui, hop, qui traîne entre guillemets, parce que les bureaux d'instit, ça traîne jamais, hein. Toujours bien rangé. Voilà. On est d'accord. Donc ça, après, on va venir le coller là-dessus. Donc pour le coller, bah, toujours la même chose. Hop, un petit double face. Voilà. Un peu de colle parce que mon papier attend un peu relief. Et là, je centre mon sous-main. Si à la limite le papier dépasse un peu du bureau, bah c'est pas très très grave. Voilà, je plie bien et du coup vous voyez, hop, on peut l'ouvrir. Voilà. Alors la petite règle, soit vous voulez imprimer vous prenez une image de petite règle sur internet, vous pouvez la mettre où vous voulez sur le bureau. Donc là, ben, je vais la mettre différemment de l'autre, j'avais décidé, et je vais la coller avec des mousses 3D. Si je trouve les mousses 3D que j'ai mis dans mon bazar sur mon bureau, ah, si vous saviez. Ah ben voilà, une bonne idée, elles sont là. Hop, petite mousse 3D, vous voyez. Donc je les prends. Hop, j'en colle quelques-uns. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu partout pour pas que ma règle gondole de trop. J'enlève les petits opercules là. Je fais attention de ne pas gêner l'ouverture. Je ne viens pas la mettre sur mon truc. Ou alors, si je le mets, c'est carrément dessus. Donc là, je le mets à côté. Et je colle. Voilà. Là, je vais faire mon petit... on va faire le petit machin après, là, le petit bloc-notes après. Mais d'abord, on va faire le petit pot à crayon. Alors, le petit pot à crayon, vous allez voir, c'est tout simple. J'ai pris une chute de papier. Voilà, tout simplement, que je vais couper sur 2 cm de haut, 2 cm, allez, 3 cm, 3 cm de haut. J'ai pris un crayon et je suis venue le rouler autour pour lui donner la forme. Voilà, et ensuite, je vais mettre de la colle sur l'extrémité de droite. Je remets dans mon crayon. Je serre. Hop. Et voilà. Mon pot à crayon est fait. Et comme l'autre, je l'avais décoré, bah, je l'ai décoré à la... Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est pareil. Je vais m'en resservir, c'est de la chute. Donc, mes petites chutes, moi, je ne les jette pas. Hop, ça, je vais m'en servir là. Je vais venir décorer mon petit
peau à crayon, comme ça, avec un bout de chute. Je trouve ça tellement plus joli. Hop. Et puis ça permet, je vais le remettre dedans pour pouvoir bien tourner autour. Voilà, je vais peut-être même en avoir de quoi en faire deux. Donc, hop, et j'y retourne. Impeccable. Voilà, et ça, mon poids crayon est fait. Et dedans, vous savez, faut que je descende en chercher, mais j'en ai pas. Quand vous avez des mines de porte-crayon, ben, vous mettez. Alors, moi, je mets de la colle là. J'y vais généreusement et je mets à l'intérieur. Vous allez me dire, à l'intérieur, ça sert à rien. Si, si, regardez. La colle, elle se lie entre elles. Et du coup, quand vous allez le coller comme ça, il faut que ça sèche. Vous ne mettez pas vos mines à crayon tout de suite. Vous voyez, là, celui-là, il a séché. Celui-là, il a séché et je l'ai collé exactement de la même façon. Donc ça, au bout d'une heure, c'est sec. Et, hop. Et comme la colle blanche, en séchant, elle disparaît. Je fais mon coin, là, la colle liquide pour être sûr que mon... Hop, voilà. Là, je vais venir décorer mon pupitre. J'avais envie. Donc, hop, au bout de chute, je viens le... Voilà. Ensuite, on m'a dit qu'on allait faire le petit livret que j'avais mis dessus. J'ai tout bêtement pris un post-it. Non, c'est vraiment tout bête. Que j'ai plié. Alors, ça fait 3,5. Mes feuilles intérieures font 3,5. Donc, j'en coupe 2 ou 3 bandes. Voilà, 3,5 par 7, par 6, pardon. Voilà. 3,5 par 6. Hop, je le mets ensemble. Je les plie. Si vous avez une agrafeuse, vous les agrafez. Si vous n'en avez pas, vous les cousez. Là, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit pot de couture. Hop. Je vais peut-être même l'agrafer. Non, on va l'agrafer. J'ai mon agrafeuse, on va l'agrafer. Hop. Voilà. Une seule fois suffit. Hein. Mais vous pouvez les coudre. Vous voyez, je l'ai agrafé au milieu. Voilà. Je prends une chute de papier. Donc, mon papier fait 3,5 par 3. Donc, en hauteur, ça fera 4 cm. et 3 qui font 6. Donc, ça fera... 7 cm pour avoir la demi. Et on plie à 3,5. Voilà. Donc, je répète. Là, ça fait 4. Là, ça fait 7. Je plie à 3,5. Et je vais venir coller mon papier à l'intérieur. Voilà. Alors ça, avant de le plier, avant de marquer le pli, vous pouvez venir marquer au tampon l'année, ce que vous voulez. En fait, les notes, cahier de notes. Alors moi, je vais juste mettre un petit repère en noir. Hop, notes. Voilà, je ne vais pas faire le tamponnage, là c'est du tuto. Mais vous pouvez vous faire un tamponnage, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus.
Voilà, et donc ça à l'intérieur, je viens coller ma première feuille contre mon papier, contre le dessus de mon livret. La deuxième feuille, la même, voilà. Et ça, je viens le coller dessus. Alors, attendez, on va bien marquer le pli. Pas que ça soit trop en relief. Voilà. Et ça, on vient le coller. Alors, ça peut être des notes, ça peut être de l'alphabet, ça peut être des lignes de ce que vous voulez à l'intérieur. À vous d'adapter votre décoration. Et là, bah, je vais le mettre en plein milieu. Voilà. Et voilà. Notre bureau est fait, voyez. Donc là, il y a la carte. Je vous conseille quand même de remplir la carte avant de la coller. C'est quand même mieux. Et là, vos tiroirs. Et de venir coller vos mines de crayon dans le fond un coup que votre pot à crayon sera bien collé, tout simplement. Alors moi j'ai mis un papier qui dépasse, mais vous pouvez mettre d'autres papiers, vous pouvez mettre vraiment d'autres petites choses. Voilà. Comment faire un petit bureau pour nos maîtresses. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Vous retrouvez toutes nos infos sur le dessous dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe L'amour du scrap apprentissage. Il y a d'autres tutos différents selon les mois, les semaines et ainsi de suite. Tout ne se trouve pas sur la chaîne. Voilà, je vous dis, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur l'adresse mailika@hotmail.fr ou sur ma page Facebook à l'amour du scrap. Voilà, je vous dis à très vite. Bonne journée.